La commune d'Abobo a accueilli la parade du Massa du 16 au 17 avril. La population a pris d'assaut le centre culturel communal. À chacune des prestations, la foule hurlait de joie. C'est surtout la danse Zaouli qui a fait vibrer toute la salle, eu égard au pas cadencé du masque. L'initiative de faire éclater les activités du Massa dans les communes d'Abidjan est une satisfaction pour la première magistrate de la commune d'Abobo. Sa représentante Beugri Yao s'en félicite. C'est un message poignant parce que nous nous intéressons au Massa et vous avez vu la salle en l'air. Le conseil municipal est là, les agents au maire sont là, donc la montre que c'est le Massa. Des festivaliers et artistes internationaux n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils repartent satisfaits. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont dansé. Il y a beaucoup d'ambiance ici. En tout cas, c'est très intéressant. On est content d'avoir vu les danses traditionnelles des Zaouli. C'est pour ça qu'on est venu. Nous sommes très contents d'avoir eu cette 13e édition du festival Massa ici à Abobo. Donc, nous sommes contents. Nous avons fait des prestations, nous allons continuer à faire les prestations. Le Massa en est à sa 13e édition. Ce programme de développement culturel des arts de spectacle africains a entre autres pour objectif de soutenir la création et la production de spectacles de qualité, mais aussi de faciliter la circulation des créateurs et leurs productions en Afrique et dans le monde.